Selon les informations rendues publiques au cours de cet atelier, l'accès des populations africaines au système financier officiel varie entre autres en fonction du genre. C'est pour lutter contre ces inégalités que s'est tenu cet atelier de réflexion sur l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Son rapport sur le développement humain en Afrique, le PNUD indiquait que le taux de pénétration d'accès des populations africaines au système financier officiel variait en fonction du genre. En effet, et il est maintenant admis, et cela a été attesté par plusieurs études, que dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, des petites et moyennes entreprises, de grandes entreprises, les femmes, qui déjà ne représentent qu'un tiers des entreprises régulièrement enregistrées, ont moins accès au crédit que les hommes pour investir. Cet atelier d'un jour visait aussi à sensibiliser les participants à l'ampleur des inégalités de genre dans l'accès aux sources de financement des projets. La sensibilisation des participants sur l'ampleur des inégalités de genre dans l'accès aux sources de financement des projets d'entrepreneuriat et autres activités génératrices de revenus. L'identification des facteurs d'inégalité entre les hommes et les femmes dans l'accès au financement de leurs projets. La proposition des recommandations pour un plus grand accès des femmes au financement de leurs projets. L'atelier de réflexion sur l'accès des femmes aux sources de financement pour le développement de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes a été organisé avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD.